Salut, je suis ici maintenant avec Pierre-Hervé Goulet. Pour te poser quelques questions, dans le fond, est-ce que tu peux me parler un peu de ton univers de musique? Qu'est-ce que tu fais comme genre? Moi, en fait, je joue de la guitare acoustique. Okay. J'aime ça quand ça groove, fait que c'est assez groovy. Puis j'aime beaucoup les mots, les allitérations, les assonances, tout de jouer avec ce matériau-là. Fait que j'essaie tout le temps de pogner un flow. Je fais pas du rap, mais j'essaie de quand même pogner le flow des mots, puis ça swing en général. Yeah, tu parles de mots. Est-ce qu'on peut étudier des messages que tu aimes véhiculer en général avec ta musique? Qu'est-ce que tu aimerais comme message? Est-ce que tu as quelque chose de même? C'est sûr que j'essaie d'être le plus intemporel possible. Ouais. Fait que, c'est un peu out of time à ce niveau-là, mais justement, le temps, c'est un sujet que j'aime beaucoup parler, tu sais, puis de proposer un peu des thèmes assez, assez vagues, comme l'amour, tout ça, la vie, puis d'essayer de ramener tout le temps ça dans quelque chose qui se rapproche de la poésie puis de la phonétique des mots. Ouais, cool. Est-ce que, là, j'ai rencontré beaucoup de types de francophones à travers du festival. Toi, je serais curieux de voir d'où que tu viens, puis c'est quoi ta culture dans le fond? Qu'est-ce que tu fais en musique dans le fond? Moi, je viens de la Beauce, je suis natif de la Beauce, fait que c'est vraiment en campagne, tout ça. J'ai déménagé un peu partout dans ma vie, j'ai habité à Grimbé, à Lévis, tout ça, puis là je suis rendu à Québec. Fait que dans la ville de Québec, il y a un beau milieu musical, puis justement ça me permet de rencontrer des gens, de créer un peu. J'ai trouvé des musiciens, j'ai trouvé une compagnie de disques, un gérant, fait que là je suis rendu à mon deuxième album cette année, qui est sorti le 2 mars. Ouais, ben parfait. On a hâte d'écouter ça. On va mettre ton single dans le fond dans la vidéo pour que les gens ils découvrent ça. Puis on a hâte de le voir sur scène. Yes, ben merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, merci à toi. Ciao.